Attention au départ pour cette première épreuve. Sans le numéro 9, et c'est parti à l'instant avec la faute du numéro 4 dès le départ. Golden Saint Warnock, c'était l'une des favorites. Malheureusement, elle disparaît sur cette incartade. Le numéro 5, Fortuna Gijo, qui prend un bon départ avec Farouk Jupi, le numéro 7. En troisième position, on retrouve Galway Danica. Alexander, le numéro 8, il s'agit de Héroïne Raja avec Fortuna de Jana, le 3 qui vient en 4-5e position. Là, Savannah Discott a été prise de vitesse au départ et se retrouve au centre du peloton. Fortuna de Gijo, commandement comme elle aime le faire, flanqué à son extérieur de la favorite numéro 7, Formoni de Jupil, qui fait le forcing pour prendre la place à l'intérieur du numéro 2, Galway Danica, qui vient dans le sillage de l'animatrice. On est bien placé avec le numéro 10, deuxième rang, Aistar, qui vient en quatrième position. Cinquième place, un petit peu plus à l'extérieur pour le numéro 8, Héroïne Rinja. Sixième position pour le bonnet blanc de Fortuna de Jana, le numéro 3. Il y a déjà beaucoup de trains dans cette première finale. Ah, il y a beaucoup de trains avec l'une des favorites, hein, l'As, Vanessa Discott, qui a été prise de vitesse, hein, qui est assez loin des juments de tête. Est-ce qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout à ce rythme? En tout cas, c'est le numéro 5, Franck Gigio, qui a l'avantage. En deuxième position, il y a toujours le numéro 2, Galway Danica, qui a le bon parcours une nouvelle fois. Nagens, bravo à elle. Pour l'instant, superbe. Ensuite, on a le numéro 7, Pharmonie de Jupi, qui vient en troisième position. À l'extérieur, Héroïne Raja, un peu né au vent, qui se rapproche néanmoins. Suivi encore par le numéro 10, Ayastar, avec un peu plus loin encore, Fortuna de Jana. Et où se trouve l'une des favorites? Avanès Discott, elle est en 8-9e position, même 10-12e à l'extérieur, derrière le numéro 6 Azeldop. Tout ça à tour de l'arrivée, toujours beaucoup de trains avec Fortuna Gijo qui n'attend personne, qui fait parler sa dureté. En deuxième position, Galway Danica qui se fait ramener sur un plateau. Héroïne Raja qui se rapproche gentiment mais sûrement. En quatrième position, on tente de tenir la comparaison, de te soutenir, de tenir le rythme également avec la favorite Formoni Jupi qui doit un petit peu être sollicitée par Christophe de Pleut. Fortuna Gijo est débouchée en cinquième position. Ayestar, le numéro 10, se retire sur faute. Ouais, c'est terminé. On voit la progression également de l'As. Vanessa Discott qui commence à se rapprocher quelque peu. Toujours les mêmes positions en tête. Le numéro 5, Fortuna Gijo qui a l'avantage. En deuxième position, c'est fini pour le numéro 2 qui sort de la piste, Galway Danica. En deuxième position, c'est le 8, maintenant Héroïne Raja, suivi encore par Farmony Jupi, le numéro 7. Et puis attention à l'As, maintenant Vanessa Scott qui accélère en dehors. Trois juments se détachent dans le dernier virage avec toujours Fortuna Gijo au commandement facilement. Héroïne Raja dans son sillage. Vanessa Discott qui est venue se placer dans le sillage d'Héroïne Raja en troisième position. Formoni de Jupi qui semble battu pour la victoire, tout comme Fortuna Jana. On tente de se relancer avec Genesalia pour une place. Toujours le numéro 5, Fortuna Gijo qui a l'avantage depuis le départ. En deuxième position, le numéro 8, Héroïne Raja. On reprend un petit bol d'air avec Vanessa Discott qui va maintenant déboîter dans l'ultime ligne droite. L'ultime ligne droite justement avec toujours le numéro 5 qui a l'avantage, Fortuna Gijo. Mais attention à l'extérieur, Vanessa Discott qui vient de plus en plus vite. Le 5 qui a l'avantage, Fortuna Gijo. Vanessa Discott qui finit de plus en plus fort, Vanessa Discott qui va venir peut-être manger au passage du poteau, Fortuna Gijo. Fortuna Gijo qui a toujours l'avantage, Fortuna Gijo devant Vanessa Discott, Fortuna Gijo, le numéro 5 qui va résister à l'As. La troisième place pour le numéro 8, la quatrième place pour le numéro 14. Fortuna Gijo qui s'impose dans cette grande finale des Ferrées des 4 pour la première fois.